J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi. Commandant, on a Croft en visuel. Elle est avec les machines. Hein? Vous laissez pas distraire. Abattez-la! Toi, à mon avis, tu vas être mort. À recevoir ton pouvoir. Ils t'obéissent? Moi seul pourrais compléter le rituel. Ils ont mal choisi. Tout est faux! Non! Elle est à eux depuis toujours. Donnez la boîte. Non, non, jamais. Je dois protéger Paititi. Nous créons tous notre destin. Pas que vous. Nous tous. Ensemble. Yeah!
Je suis encerclé. J'ai plus de munitions. Non. Ah d'accord, fallait aller là. Jonah, Rourke est mort. Je vais retrouver Dominguez pour empêcher le rituel. On va les retenir aussi longtemps que possible. Efface le monde connu. Que l'ombre passe et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Thank you.
Je vais d'abord me débarrasser des gardes. Donne-nous la chance. Ah, va te faire enculer, toi. Je t'ai laissé vivre. Protéger toi, Kitty. Pas toi. Thank you.
pas vrai. C'est pas ça, il a des cadres. T'arrives quoi toi là?
Eh mais putain, il est coriace, ça. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Toi, là c'est moi, là c'est ton père. On est où? Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir, une attaque de jaguar. Où on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa! Oh non? Alors, peut-être le désert de sel en Utah. Richard! Je sais où on va aller. Ah oui? Hawaï! Oh, oui, ça pourrait être. Eh bien, dans ce cas, maman. Je voudrais que tu m'aides un peu. Au revoir, papa. En prévision du voyage, là. Non! C'est toi, mon assistant personnel. J'exige que tu m'emmènes au musée. Je crois qu'on peut s'arranger. Et je t'achèterai un nouveau carnet pour dessiner et prendre des notes. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde, c'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Unuratu.
Ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me mens. Et son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui ? La jungle te manque ? Tu veux trouver ce fameux arbre à poissons ? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi, alors ? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Mais Aetzli va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Waouh. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être. En apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Wow. Aetzli, et si tu me montrais les plans du nouveau temple? Oui, ce sera magnifique. J'avais tout faux. J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie, je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que je devais tout régler. Mais les mystères du monde doivent être appréciés plus que résolus. Et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Jonah. Mais quelle que soit l'aventure qui m'attend, j'ai hâte de me mettre au travail. Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux. Du thé, Miss Croft? Volontiers. Pour l'instant, je suis contente d'être à la maison. Et voilà, on a fini le jeu. Juste la partie fini jeu, on a fini. Ouais. Attends, je vais juste voir quelque chose. On va voir si on fait continuer. On va se garder là et on reprendra tout à l'heure.
Merci encore, Lara. C'est très important pour l'avenir de Paititi. Bon, on va regarder un peu vite fait. C'était une sas. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. J'ai pas assez de place pour ça. Non. Hättest du tätig gesagt. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Attention, amis de Nuratu. Les guerriers jaguars. Mieux vaut les éviter. Ils cherchent sans arrêt des activités rebelles. Et ils sont sans pitié. Je sais que personne... Est-ce que tu vas bien? Non. Pisco le mort a pris mes dés. Mais personne veut me croire. Pourtant, c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus? Oh, vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai. Tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention. Et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Je sais que Pisco a pris mes dés. J'espère que vous les retrouverez. T'as dit pour Kuali? Non. Qu'est-ce qui se passe? Abra a été empoisonné par les clés. Kuali, c'est... Thank you.
Un conseil. N'allez pas dans la jungle, mon ami. Quelque chose de dangereux y rôde. Je ne dépasse jamais cette limite. Et même de loin, je fais toujours attention de ne pas tourner le dos aux arbres trop longtemps. Je suis sûre que les grands événements d'une vie prennent tous racine à un instant précis. Bah, vous connaissez ce qui se passe en ce moment. Si Amaru et Sairi ne s'étaient pas disputés pendant la famine, et si Sairi n'avait pas insisté contre la vie d'Amaru pour aller lui-même au-delà des frontières du village, nous chasser à tous de quoi manger, peut-être qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes. Parce qu'Amaru s'est senti responsable de la mort de son frère. Je l'ai entendu. La nuit où ils ont ramené le corps de Sairi de la jungle. Il était complètement désespéré. Je crois que c'est cet instant précis qui a brisé Amaru. Après ça, il a pris le contrôle total de Paititi. Ils voulaient tous nous protéger, parce qu'ils n'avaient rien pu faire pour Sairi.